Déménageurs de l'extrême. C'est nous, bonjour. C'est parti. Il fait trop genre pour la vidéo. Notre hâte, c'est de créer, aménager, décorer et organiser, mais avant ça, il y a du boulot. Il y a un an, on déménageait de Lille pour Paris dans un appartement vraiment pas ouf. Bon, on savait avant de venir, mais le deal avec les propriétaires, c'était qu'on pouvait faire de l'appartement ce qu'on voulait. Alors je peux vous dire qu'on s'est lâché sur la déco pour en faire un endroit unique en son genre. On a interverti la chambre et le salon pour pouvoir avoir un espace de travail séparé de la pièce à vivre. On l'a donc juxtaposé à l'espace chambre en le séparant par une petite cloison que vous verrez par la suite. C'était le premier appart qu'on décorait, alors on a passé des heures et des heures sur Pinterest à essayer de découvrir notre style. Pas sûr de l'avoir trouvé, mais on a voulu tester pas mal de choses pour découvrir nos goûts par la suite. Je vous épargne tous les détails, mais on a passé plusieurs jours à nettoyer avant de faire quoi que ce soit. Là, on a commencé à frotter. Là, on n'a pas commencé. L'appartement de tour est à la fin de la vidéo. Bon visionnage! Ça tient vraiment juste avec la peinture. Mais tu sais, on va pas pouvoir dormir là si on fait la peinture. Bah on dort sous la table. Bah c'est flashy mais c'est sympa. C'est un peu trop long, je crois. C'est un peu moche. Tu mettras pas ça dans la vidéo, s'il te plaît. On pensait avoir une idée sympa en mettant de la toile de jute sur nos portes de placard. Finalement, on n'a pas du tout aimé le résultat, donc on a tout enlevé. J'ai aussi passé des heures et des heures à trier et ranger. Et franchement, c'est super long de désencombrer et trouver les rangements parfaits. Mais une fois que c'est fait, c'est un réel plaisir à vivre. On avait dans l'appartement les anciennes arrivées de chauffage central. Donc quitte à avoir des tuyaux qui dépassent du sol, on s'est dit pourquoi pas en faire des champignons. Et on a utilisé pour ça de l'argile autodurcissante. Wow, c'est trop stylé. C'est bon, j'ai aidé là. Et quand même, j'ai en partie installé la bâche. Hein. Thank you.
pas droit, t'es pas droit. On devrait pas mettre un masque. Non, mais par contre, je crois qu'on doit aspirer en même temps. Genre comme chez les dentistes. T'es prêt? Il y a une autre fonctionnelle. Franchement, elle travaille de... Non. Franchement, c'est 26 kilos une boîte. Ça fait 32 les deux. Moi, je fais ça... 32. C'est quoi cet ingénieur en carton? C'est peut-être le poids qui commence à me travailler l'esprit, je crois. Pour les pieds du bureau, j'ai la chance d'avoir un papy très bricoleur avec un superbe atelier et surtout de quoi faire de la soudure. J'en avais déjà fait avec lui plus jeune, mais il a repris le temps de m'expliquer toutes les machines et le fonctionnement de la soudure. J'ai donc pu créer mes propres pieds de bureau en fer à visser au plan de travail. Avec les machines à coudre, écrans, chargeurs, etc., j'ai pas mal de câbles qui traînent sous le bureau, donc il est primordial pour moi de les organiser. Je fixe donc une multiprise au plan de travail et je colle du scratch aux pédales de mes machines pour pouvoir les fixer au plan de travail quand je ne les utilise pas. Ça va là-dedans? J'ai des problèmes de peau. Hein.